Girl, you should wear a name tag. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo IRL, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Aujourd'hui je vais vous présenter mon setup puisque maintenant je suis installé à Bordeaux, donc dans mon nouvel appart, et donc j'ai fait un petit setup assez sympathique. Donc si ça vous intéresse, tout simplement restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter tout mon matériel et bien sûr toutes les références et tous les liens vers les différents produits en description de cette vidéo. On commence avec mon fauteuil d'extraceur et ça fait maintenant 4 ans que je l'ai et le cuir est encore en excellent état. Vraiment je vous recommande cette marque. Ensuite en microphone j'ai le Bird UM1 qui est attaché avec un bras de bureau que j'ai pu installer assez facilement grâce à un bureau IKEA. Ensuite j'ai un clavier G105 de la marque Logitech et j'ai une souris également de la marque Logitech G502. Pour l'accompagner j'ai un tapis de souris Madcat. Et enfin pour le son j'ai des enceintes créatives, donc là j'en ai 2 actuellement mais normalement j'en ai 5, sauf que le problème c'est que le 5.1 ne fonctionne pas. Ensuite j'ai 2 écrans, donc un écran LG de 27 pouces et un autre Packer Bell qui est de vraiment moins bonne qualité juste à côté, mais c'est simplement un écran secondaire. Ensuite j'ai réussi à placer une petite LED, une barre LED derrière mon bureau qui donne un effet vraiment sympathique que je peux contrôler avec une télécommande et donc modifier la couleur à ma guise. Et j'ai une petite lampe LED qui me permet d'éclairer mon mur. Ensuite pour la rentrée scolaire j'ai commandé un sac exprès pour transporter un ordinateur, donc ce sac est vraiment basique, il coûte je crois à peu près 30 €, c'est vraiment le bas de gamme mais qui en même temps est de très bonne qualité parce qu'il permet de faire beaucoup de rangements. On voit qu'ici je peux ranger des câbles, des souris, des clés USB etc. Ici c'est plus pour les documents, donc là je vais pouvoir rajouter une petite mallette et enfin je vais pouvoir mettre mon PC dans la dernière poche. Ce que je vous recommande c'est de mettre une mousse comme moi au fond pour éviter que les coins touchent le sol. Et enfin pour m'accompagner j'ai l'iPhone 6S. Ensuite j'ai tout récemment acheté un nouvel ordinateur, un Asus ZenBook. Donc en fait ce sont simplement des Asus de bureau qui sont un petit peu pour la gamme professionnelle parce que ce sont des ordinateurs qu'on appelle Ultrabook. C'est un petit peu comme les MacBooks, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très fins. Et ensuite bien sûr la pièce maîtresse de mon setup c'est bien sûr mon gros PC. Il n'a absolument pas changé en 3 ans de temps, donc c'est exactement la même configuration qu'il y a encore 2 ans sur ma vidéo setup. Donc je vous mets tout le descriptif dans la description. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag.